Stéphanie de Monaco, 57 ans, a fait parler d'elle le 7 avril 2022. La sœur du prince Albert de Monaco, 64 ans, a réclamé un demi-million de roupies au concessionnaire de voitures Access, selon le magazine Gala. Un demi-million de roupies équivaut à la coquette somme de 10 176 euros. La princesse Stéphanie de Monaco accuse le concessionnaire Access de lui avoir remis son Isuzu D-Max en mauvais état. Elle a également indiqué ne pas être satisfaite de l'entretien qui a été effectué sur son véhicule par la société. L'origine du litige remonte au mois d'août 2017. Le tout-terrain de l'interprète de Comme un ouragan a été immobilisé pendant 3 semaines. Son Isuzu D-Max est resté immobilisé 3 semaines après que le voyant d'alerte de la boîte automatique se soit allumé, indique Gala. Jérôme Boussac, le mandataire de Stéphanie de Monaco, a amené la voiture chez le concessionnaire, le 7 août 2017. Ce dernier lui a restitué la voiture plus tard dans la même journée tout en affirmant que le problème d'huile avait été réglé. Seulement, Jérôme Boussac a remarqué que le voyant s'était rallumé. Le souci était réapparu après 77 km de trajet, a-t-il précisé. La voiture avait été tractée jusqu'au garage du concessionnaire mauricien. Pendant les 3 semaines d'immobilisation, Jérôme Boussac n'avait eu droit à aucun véhicule de remplacement. La panne de la voiture de la princesse Stéphanie de Monaco aurait pu provoquer mort d'homme. La fille cadette de Grace Kelly, connue pour ses coups de gueule, avait déposé une plainte dans laquelle Jérôme Boussac explique plus amplement les faits. Il y défend également l'idée que le dysfonctionnement du véhicule aurait pu, selon lui, causer un accident. La princesse Stéphanie de Monaco et Jérôme Boussac estiment que le souci avec la voiture au niveau de la boîte de vitesse de la voiture est de la faute du concessionnaire automobile. Selon eux, la société mauricienne Access n'aurait pas honoré ses obligations contractuelles. La société, appartenant au groupe ANL, estime qu'elle ne doit rien à la princesse monégasque.